Good morning, Aleiden. Les tutres aujourd'hui, le Lunishmat, Amram Yona Ben Chana, Peggy Bat Esther, Zarabat Mazal Tov, Shishbortish, Simon Batle, Oni Michel, Novikov, Elir Fouat, Norbert Avraham Ben Fortuné Mazal, le Torchar pour l'Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions en Sanhedrin, Perek, Yud Aleph, Mishnah Bet. Zaken Mamre Alpi Bet Din. שנאמר כי יפלא ממך הדבר למשפט וגומר. שלושה בתי דינים היו שם. אחד יושב על פתח הר הבית, ואחד יושב על פתח העזרה, ואחד יושב בלשכת הגזית. באים לזה שעל פתח הר הבית, ואומר כך דרשתי וכך דרשו חבריי. כך לימדתי, כך לימדו חבריי. אם שמעו, אומרים להם, ואם לאו, באים להן לאותן שעל פתח העזרה, ואומר, כך דרשתי וכך דרשו חבריי, כך לימדתי, כך לימדו חבריי. אם שמעו, אומרים להם, ואם לאו, אלו ואלו באים לבית דין הגדול שבלשכת הגזית, שממנו יוצאת תורה לכל ישראל, שנאמר מן המקום ההוא אשר יבחר השם, חזר לעירו, ושנה ולימד כדרך שהיה למד, פטור. ואם הורה לעשות, חייב. שנאמר, והאיש אשר יעשה בזדון, אינו חייב עד שיורה לעשות. תלמיד שיורה לעשות, פטור, נמצא חומרו כולו. Il y a dans la Torah une parasha particulière, la parasha de Shoftim, où là-bas, on parle du Zaken Mamre. Le Zaken Mamre, c'est le vieux, donc le vieux sage, quand il y a marqué les Zaken dans la Torah, c'est Zaken Zekana Chochma, le vieux sage, qui discute tout seul contre tous les juges, au point de passer à l'acte, et de faire comme ce que lui conçoit les choses, alors que tout le Sanhedrin a tranché autrement. D'accord ? Et alors la Torah a donné un chiouv chenek à ce Zaken Mamre, à ce vieux juge, à ce Talmid Chacham, grand Talmid Chacham, qui ose contester et faire un enfer qu'à sa tête. D'accord ? Il fallait bien maintenir la Massoret, la tradition de la Torah. La Torah, elle a imposé que s'il y a quelqu'un, un rave qui va commencer à délirer et à en faire qu'à sa tête, à faire que ce qu'il veut, sans écouter les autres du Sanhedrin, ça ne nous concerne pas à notre époque, on va expliquer pourquoi, mais en tout cas, les sages du Sanhedrin, qui sont tous réunis, qui ont tous tranché selon la voix de la majorité, alors cette personne-là, ce sage-là, ce Talmid Chacham devra être tué. D'accord ? Il devrait être étranglé, Chiyuv Chenek. Il y avait, à l'époque du Beth Amikdash, il n'y avait aucune situation qui restait en doute. Il n'y avait pas tellement de minagim, de chumrot, de gens qui en font plus que d'autres. Certains qui vont manger telle forme de hercher et d'autres non. Et comme ça, il y avait des discussions à n'en plus finir entre les Sfaradim, Ashkenazim, et à l'intérieur des Ashkenazes, les Lituaniens, et les Polonais, et les Yekes, et les Sfaradim aussi, chacun à sa manière et à sa sauce. Et ensuite, une fois qu'on... D'accord, il n'y avait pas plusieurs manières d'accomplir la Torah, il n'y avait qu'une seule manière, une seule massorette. Dès qu'il y avait une seule tradition, dès qu'il y avait une seule discussion, alors on partait voir les juges de la ville. Si les juges de la ville n'arrivaient pas à délibérer, ils partaient tous à Yerushalayim. Et c'est sur ça qu'il y a une paracha, donc dans Shoftim, Perek Yud Zayin 17, Pasuk Bet, là-bas, je me suis trompé, c'est pas parce que c'est pas celui-ci, c'est un petit peu plus loin, mais c'est pas grave, je le trouve pas. Qui palim imcha d'avoir le mishpat, voilà, il est là. C'est plutôt Pasuk Chet. Lorsque tu auras, parce que donné qui parle, il faudra d'avoir le mishpat, on ne va pas le faire dans les mots, ça va être trop long sinon, mais en tout cas, lorsque tu auras un quelconque doute que tu ne sauras pas, ouais, dans les l'Hilchot Nida, il y a tellement de discussions pour savoir est-ce que, lorsque les femmes font leur bdikot pendant les 7 jours, après on amène, et lorsqu'on il y a des couleurs qui sont douteuses, on les amène chez le rave, et le rave tranche, sur ça, bien sûr, ceux qui sont dedans, ça serait combien, il peut y avoir des discussions avec un éventail très large entre ce qu'on considère comme une couleur sang, une couleur qui est pas sang, à l'époque c'était phénoménal ce qui se passait. Et à l'époque du Beth Amikdash, il n'y avait aucun problème, tout était tranché. On partait, il y avait toujours une instance supérieure jusqu'à la plus haute instance, qui était là-bas le Sanhedrin, et là-bas il y avait les 71 juges. Et ils finissaient par décider selon la voie de la majorité, et ils fixaient une seule hora'a, une seule instruction pour tout le peuple d'Israël. D'accord ? Et de ce fait, la Torah était très mahmira sur celui qui va
malgré la décision de la haute instance du Sanhédrin Gdola, qui va oser contester et n'en faire qu'à sa tête, comme ce que la Mishnah va nous l'enseigner tout de suite. La Mishnah nous dit « Zaken mamre alpi bet din » le vieux sage qui discute, qui conteste la voix du bet din, du grand Sanhedrin, chez Nehemar, comme le pasuk nous dit, « Ki palem imcha davar la mishpat » lorsqu'il y aura un jugement que tu ne... qui sera un peu trop loin de toi, qui sera, que vous ne réussirez pas à trancher, alors, avec Amta, Galita, la Makom, en haut, tu monteras et tu iras à Yerushalayim, et là-bas, tu trancheras tes doutes. Alors, la Mishnah nous enseigne. Shlosha batedinim ayu sham. Il y avait là-bas, à Yerushalayim, au Harabait, au monde du temple, trois batedinim. Il y avait là-bas trois chambres dans lesquelles siégeaient des juges. Deux fois, où il y avait des juges 23-23, et après, la dernière lishka, la dernière chambre de justice la plus haute, qui était la lishka tagazit. D'accord ? Une lishka, c'est une chambre, littéralement, mais pas en chambre dans le sens cheder, mais dans la chambre de justice, une lishka. D'accord ? Lishka trosh hamemshala. Le havdil et le fafa vedalot. Shlosha bate dinim ayusham. Il y avait là-bas trois tribunaux qui siégeaient à Yerushalayim. Echad Yoshev al Petach Harabait, l'un siégeait à l'entrée du Harabait, du mont du temple. Il y avait là-bas une petite pièce à côté de l'entrée du mont du temple, où là-bas il y avait 23 juges qui siégeaient. Echad Yoshev al Petach Hazara, lorsqu'on passait l'entrée du mont du temple pour se diriger cette fois-ci vers le Beth Amikdash, proprement dit, le temple lui-même. Alors il y avait ensuite la Hazara, la grande cour, je pense qu'elle correspond à l'Ezrat Nashim, la première cour qu'on rencontrait. Et ensuite, on traversait cette grande cour et on arrivait là-bas dans le Ezrat HaKohanim, où là-bas il y avait le Mizbeach, et il y avait là-bas une troisième Lishka qui s'appelait la Lishka Tagazit. D'accord ? Donc, un qui était à l'entrée du Harabait, un qui était Petach HaAzara, à l'entrée de la Hazara, de la cour du Beth Amikdash, proprement dit. Et ensuite, le Radio Chef Belishka Tagazit, et un qui était assis à la chambre de la Lishka Tagazit. Gazit, c'est une forme de pierre taillée. Il y avait, dans l'enceinte du Beth Amikdash, proprement dit, où il y avait le Kodesh HaKodashim, il y avait là-bas la Ezrat HaKohanim, le Mizbeach, il y avait la Ezrat HaYisrael, c'était dans la même surface. Il y avait là-bas, sur le côté, sur les murs, plusieurs Leshachot. Dans ma Maseret Midot, on parle longuement de tout ce qu'il y avait là-bas. Il y avait plusieurs Leshachot, plusieurs chambres qui avaient plusieurs fonctions. Là-bas, les Kohanim se reposaient, passaient la nuit, se purifiaient. Le Lishkat Paredrin, on parle de Yoma, dans Yoma, d'accord ? Plusieurs Leshachot. Et l'une des chambres, c'était justement la Lishkat Hagazit, la chambre qui était faite en pierre de taille, où là-bas siégeaient les 71 grandes bombes d'Israël, les plus hautes Talmidei Chachamim de la génération, d'accord ? Donc, et alors, ça se passait comme ça. Lorsqu'il y avait une discussion virulente qui éclatait dans les villes entre les juges du Sanhédrin de la ville, un juge, Talmid Chacham, s'entêtait à affirmer une chose, tandis que tout le monde disait le contraire. Soit parce que ce Talmid Chacham l'a reçu de ses maîtres, soit parce qu'il déduit, selon les règles de déduction de la Torah, il déduit une certaine halakha. Et les autres n'étaient pas d'accord avec lui, et il a demandé à ne pas trancher ici, sur place, mais plutôt à partir à Yerushalayim. Donc tous les Talmidei Chachamim de la ville, par exemple, supposons que c'était le Beit Din de Tel Aviv, et bien tous les 23 juges de Tel Aviv, ils vont monter tous ensemble à Yerushalayim. Et alors, Baim leze she'al petach harabait. Lorsqu'ils arrivent, ils vont partir à la première chambre de justice qui se trouvait à l'entrée du mont du temple, au harabait. Véomer, et il se présente devant le juge et il l'affirmera comme ça. Kach darashti, comme ça j'ai interprété les versets de la Torah. Vekach darshu chaverai, et mes amis, les 22 autres juges, ont plutôt interprété autrement. Mais moi je suis sûr de ce que je dis, ou encore kach limadati, comme ça j'ai enseigné, ou lamadati, comme ça j'ai appris, j'ai reçu de mes maîtres. Ouais, je vais selon l'explication du Tiferet Israël, même si le Tosot Yom Tov a quelques petites réserves, mais malgré tout, ça se lit bien, donc je préfère... C'est pas fondamental, donc on peut laisser comme ça. Kar darashi ve kar la darshu chaverai. La différence entre darashti et limadati. Darashti, c'est j'ai interprété les psukim. Limadati ou lamadati, c'est j'ai reçu de mes maîtres et j'ai transmis ensuite à mes élèves. Kar limadati ve kar limdu chaverai. Et tandis que mes autres amis,
mes 22 autres amis, pensent qu'ils différemment. Alors, Im Shamo, si cette première cour de justice avait connaissé la halakha tranchée, parce qu'ils l'avaient reçue eux de leur maître, Shamo, ils ont appris le bon verdict. Omrim Lahem, ils leur disent, mais s'ils n'ont pas reçu de leur maître cette halakha spécifique, alors on ne va pas leur demander leur avis, qu'est-ce qu'eux pensent de la question. Parce que vous allez être de nouveau, vous allez peut-être dire comme l'un ou comme l'autre, c'est pas notre problème, cette fois-ci on veut uniquement une retransmission ou le Sanhedrin Gdola qui a la Lishkat Hagazit. Donc, si vous avez reçu un enseignement clair sur la question, dites-le. Sinon, Vimlav, Ba'in Lahen, Lerotan Shalpetach Ha'azara. On allait voir ceux qui se tenaient dans la chambre de justice, qui était proche de la Hazara, de la cour du Beth Amikdash, proprement dit, Veomer. Et alors, la même scène. Et comme ça, il leur dit de nouveau, Kach Darashti, Vekach Darshu Chaverai. Ainsi j'interprétais les psukim, et ainsi mes amis ont interprété les psukim. Kach Limadati, Vekach Limdu Chaverai. Ainsi j'ai enseigné, ou j'ai reçu de mes maîtres, et ainsi ont enseigné mes amis. Im Sham'u. S'ils ont reçu l'enseignement clair de leur maître, de nouveau, Omrimlaim, ils leur diront. Ve'imlav, et s'ils n'ont pas reçu l'enseignement clair, alors ne vous prononcez pas, mais plutôt Elou va Elou, tout maintenant, les 23 premiers, plus les 23 deuxièmes, et les 23 troisièmes maintenant. Alors, Ba'im le Bet Din Hagadol chez Belishkat Agazit, ils entraient tous dans la cour. Ils entraient, ils pénétraient dans le Bet Amikdash devant le Misbéach. Il prenait là-bas à droite, il partait à la Lishkat Hagazit, à la cour dans laquelle siégeait le grand Sanhedrin Gdola. Shemimenu Yotzet Torah l'école Israël. De là-bas se diffuse toute la Torah du peuple d'Israël. Kimitzion Tetzet Torah, de Tzion, de la Yerushalayim, sera diffusée toute la Torah. C'est par rapport à la Lishkat Hagazit que c'est dit. Shenehemar, comme le pasuk dit, Minamakom Aou Asher Yivchar Hashem. Comme le pasuk nous dit, tu iras Bamakom Aou, dans ce lieu-là, spécifique, là, dans le Beth Amikdash, à proximité de l'endroit le plus saint, où il y avait la Balkola Shekodashim, là-bas, de là sortira la Torah. Ensuite, bon, on a fini la scène, le Sanhedrin a tranché que ce vieux Talmid Chacham avait tort. Alors maintenant, il n'y a rien de grave pour le moment. Il doit uniquement se soumettre à la décision du Beddin. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Chazar Leiro, s'il repartit à sa ville, Veshana Velimed Kederer Shayalamed. Il était têtu, ce monsieur, ce grand rave. Il a continué à enseigner à ses élèves de la même manière qu'il enseignait initialement. Mais regardez, il a fait que enseigner pour le moment, il n'aura pas ordonné de passer à l'acte. Il aura juste expliqué les psukim tels que moi je les interprétais. Sur ce détail-là, moi je pense qu'il faut dire comme ça. Mais il n'aura pas dit de faire. Pas tout. De ce fait, il sera pour le moment dispensé. Par contre, Vim hora la asot, s'il aura ordonné de faire de la sorte, pas passer à l'acte. On avait par exemple une discussion sur une certaine forme de graisse animale. Est-ce que ça faisait partie du chélev ou ça faisait pas partie du chélev? Est-ce que c'est une graisse permise ou une graisse interdite? Alors s'il aura dit, ouais, ça c'est une graisse permise. Pour le moment, c'est pas grave, il aura. C'est pas grave. Bien sûr que c'est grave. Mais en tout cas, il n'a pas encore transgressé violemment la transgression de la Torah du Zaken Mamre, parce qu'il a juste enseigné. Par contre, Veim Hora la sorte, il aura ordonné de passer à l'acte. Chayav. Alors il sera condamné. Pourquoi? Chez Neymar, comme le pasuk dit, Veaish Asher Yaase Bezadon, et l'homme qu'il fera consciemment. Ouais, en allant contre la décision. Il ne sera condamné jusqu'à qu'il ordonne, qu'il enseigne qu'il faut passer à l'acte et agir de cette manière. D'accord? La dernière phrase de la Mishnah, on la traduit pour s'acquitter, mais on la reprendra plus en détail, donc, étant donné que demande une Mishnah très courte. Donc, Talmid Sheora Lassot, un disciple qui a enseigné, qui a ordonné de passer à l'acte, contre ce que tout le monde a décidé, Patour, il sera dispensé. Nimtsa Khumro Kulo, il s'avéra donc que le fait qu'il ait un statut plus grave lui l'allège dans certaines situations. On reprendra ça demain plus dans les détails. Pour le moment, on fait le partenariat sur la première partie sans faire le partenariat sur cette dernière phrase. Alors, Gimel Batedinim Ayusham, il y avait trois cours de justice à Yerushalayim. Yerushalayim, à Yerushalayim. Des Mishte, Bakra, sur lequel le Pasuk parle. Vekamta Vealita, tu te lèveras et tu iras. Tu iras, tu monteras à Jérusalem, on monte à Jérusalem. Echad Yoshev al-Petach Arabait. L'un siégeait à l'entrée du mont du Temple.
ou Sha'ar Mizrahi, c'est la porte de Mizrah qui était à l'est, chez Lifnim Minachel, c'est-à-dire ouais, à l'intérieur du Cheil, Lifnei Ezrat Nashim. Mais bon, en réalité, ce n'était pas à l'entrée du mont du temple, mais c'est plutôt le Sha'ar Abayit. C'est une fois qu'on entrait sur le mont du temple, bon, si vous connaissez à quoi ça ressemble, sinon c'est pas grave. Je l'ai au-dessus, mais bon, laisse tomber, c'est pas grave. Succinctement, une fois qu'on entre dans le Arabaït, il faut marcher et se diriger vers l'est. Ouais, l'est en bas. Et on se dirige vers l'est, et alors là-bas, on a l'entrée pour commencer à rentrer dans toutes les cours jusqu'à qu'on va arriver au Bet Kodesh HaKodeshim, d'accord ? Là-bas, la première porte, là-bas se trouvait la première lishka de Arabaït. Donc qui était déjà à grande proximité du Beth Hamikdash, pas vraiment mont du temple. On l'appelle la lishka du mont du temple parce qu'elle est à proximité, elle est mitoyenne avec le mont du temple, mais elle est déjà à l'intérieur du Cheil, de la séparation de la petite muraille qui distingue tout le temple plus particulièrement. D'accord ? Shehu Sha'ar Mizrahi, chez Lifnim Min HaCheil, Lifnei Ezrat Nashim. Ensuite, Ve'echad Yoshev. Et Al Petach Hazara, l'un était assis à l'entrée de l'Hazara, les Mala Emenu qui étaient au-dessus de lui, une fois qu'on a passé la Ezrat Nashim, alors Ubaim le Petach Ezrat Israël, qu'on était sur le point d'arriver au Petach Ezrat Israël, là siégeait la deuxième Lishka, la deuxième chambre de justice. Ve'echad Yoshev Belishkat Hagazit, et la troisième était installée à la Lishkat Hagazit, la chambre qui était faite de pierre de taille, chez Ibnouya Betoch Hazara, qui était vraiment à l'intérieur de l'enceinte du Beth Amikdash, devant le Mizbeach, là-bas sur le côté, Chetzia Bakodesh et Chetzia Bachol. Elle était à moitié du côté Kodesh, et l'autre moitié, elle était donnée à l'extérieur. Baim, les Echal Petach, Arabait. Donc on commençait à partir à celle qui était à l'entrée du Arabait, c'est-à-dire qui était mitoyenne avec le Arabait. Zakenze Shora Bero. De qui on parle du vieux sage qui venait de sa ville, et les autres juges de sa ville discutaient contre lui. Et le pasouk leur a ordonné de monter à Jérusalem. Ils viendront, lui ainsi que tous les autres juges qui étaient de sa ville, montrons avec eux au Sanhedrin, qui était au Harabait d'abord, donc à la première instance qui siégeait à l'entrée du Harabait, d'accord, Sha'are Bo Pogim Trela, car c'est la première instance qu'il rencontre, la première chambre qu'il rencontre. Et c'est tout pour aujourd'hui, on a dit la suite du Barthénor, on la laisse pour demain. Kol Tov Selah.